Vincent Vinel, The Voice, piraté et annoncé mort, amusé, il réagit. Exclusif, Vincent Vinel, The Voice 6, moins concert enfant star et match à la Pinède Gould à Juan-les-Pins, France, le 8 juillet 2017. Droit d'auteur Gilles Pabart / Best Image. Vincent Vinel a beaucoup d'autodérision et l'a prouvé dimanche 21 janvier 2018, sur Twitter. Ce week-end, le candidat de The Voice 6, TF1, a eu la surprise de découvrir qu'il était annoncé mort. Un pirate informatique s'est en effet amusé à hacker son compte Twitter. Vincent Vinel est mort à l'âge de 20 ans des suites d'une overdose de cocaïne, a-t-il posté. Tout d'abord furieux, le chanteur qui fait parfois des apparitions n'en touche pas à mon poste, C8, a écrit « Bonjour à tous, je me suis fait lâchement pirater mon compte Twitter », le pirate a lancé une rumeur qui était totalement fausse. La rumeur disait que j'étais décédé, je suis bien en vie, ne vous inquiétez pas. J'ai pour ma part déposé plainte à l'encontre de / des personnes qui m'ont piraté mon compte. Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ces deux tweets, je vous demanderai gentiment de les partager en les RT. Merci à vous chers tweetos. Passez une agréable journée / soirée. Mais, après avoir découvert l'identité de son hacker, l'ancien protégé de Mika a finalement pris les choses avec le sourire. Le pirate a bien été appréhendé, il s'agissait d'un gamin de 15 ans, qui s'amusait à pirater des comptes Twitter de personnalités influentes. Il s'est bien trompé, je ne suis pas influent. Le monde est rempli de connards, tentons comme nous le pouvons de les éviter et de faire notre chemin. Merci à vous d'être là pour moi, je ne vous remercierai jamais assez. Vous êtes ma force, sans vous je ne serai rien, a-t-il tweeté.